Bonjour Alexis, bonjour Guillaume. Alors Alexis, toi tu es tourneur, tu fais partie du projet SPDR. Mm-hmm. Guillaume, à toi de te présenter. Donc moi je suis Société Mecavib, donc moi je fais de la motorisation électrique et puis de l'analyse vibratoire sur machine tournante, donc essentiellement sur la motorisation électrique et puis tout ce qui est entraînement lié à la motorisation électrique, et dans le but d'optimiser les machines. Ok, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Donc parce aujourd'hui... que ça a été sympa là quand même. Ouais. Aujourd'hui on a fait une installation sur un tour à bois avec une motorisation électrique qui fait 4 kW. Avec une variation de vitesse électronique qui est située là-bas, donc en provisoire, qui nous va nous permettre de faire des vitesses différentes de tournage à n'importe quelle vitesse. Et puis, donc on est passé sur une motorisation 3 kW, parce qu'au départ, on était sur une motorisation deux fois moins puissante, ce qui ne permettait pas d'entraîner une pièce aussi importante. Ok, tu as pris connaissance rapidement du projet et tu vois maintenant pourquoi il faut cet axe-là. Qu'est-ce que t'en penses à la première vue? Ah bah ça fait un sacré tour, hein. J'ai jamais vu un tour aussi long. Ça fait des belles pièces à tourner et puis c'est pareil en tant que motoriste, c'est toujours plaisant de voir de la vieille machine tourner avec des nouvelles machines aussi, moteur et variateur électronique, mais ça permet de faire après une belle machine pour faire des belles pièces en bois, quoi. C'est, on va dire la nouveauté avec l'ancien, c'est ça qui est le plus intéressant. Bah justement, on espère que tu seras présent le 2 et 3 juin aux Journées de reconstitution de Saint-Romain-en-Galles. Avec ça nous plaisir. Fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est reparti.